Le virus respiratoire syncytial, ou VRS, est un virus respiratoire contagieux qui cause habituellement des symptômes bénins, évocateurs du rhume, mais qui peut mener à une maladie respiratoire grave, surtout chez les enfants de moins de 2 ans, les adultes de 65 ans et plus et les personnes immunodéprimées. Les enfants plus âgés et les adultes de moins de 60 ans qui contractent une infection à VRS ont habituellement des symptômes bénins semblables à ceux du rhume de cerveau, mais le VRS est plus grave chez les jeunes enfants et les adultes d'âge mûr. Chez les enfants de moins de 2 ans, le VRS est une importante cause de bronchiolite, une infection des bronchioles, les petites voies aériennes des poumons, qui peut causer une infection pulmonaire grave nécessitant l'hospitalisation. Le présent programme, qui s'adresse aux parents et aux proches aidants, porte sur l'infection à VRS et sa prévention chez les jeunes enfants, plus particulièrement les nourrissons de 0 à 12 mois et les tout-petits de 12 à 36 mois. Le VRS est très contagieux et se propage d'une personne à l'autre de la même façon que le rhume de cerveau, en touchant les gouttelettes contenant le virus après qu'une personne a toussé ou éternué. En étant proche, à moins de deux mètres, d'une personne infectée qui tousse ou éternue. Après l'exposition au virus, il faut parfois jusqu'à une semaine avant de devenir visiblement malade. Les personnes infectées par le VRS sont habituellement contagieuses pendant une période pouvant aller jusqu'à huit jours et elles peuvent propager le virus un ou deux jours avant de commencer à présenter des signes de maladie. Les enfants sont souvent exposés et infectés par le VRS hors de la maison, comme à l'école ou à la garderie, et peuvent ensuite transmettre le virus à d'autres membres de leur famille. Les infections à VRS surviennent le plus souvent en hiver ou au début du printemps au Canada. Pendant la pandémie de COVID-19, toutefois, en raison des restrictions et des précautions sanitaires, les infections à VRS ont été très peu nombreuses. Avec la diminution des précautions à l'automne et à l'hiver 2022-2023, une hausse importante et très précoce des infections à VRS a mené de nombreuses hospitalisations d'enfants infectés par ce virus. Le VRS est une cause majeure de bronchiolite, une infection des bronchioles, les petites voies aériennes des poumons. L'infection entraîne un blocage de ces bronchioles. Chez les jeunes bébés dont les poumons se développent encore, cela peut causer d'importantes difficultés à respirer et à s'alimenter. Chaque année, malheureusement, de nombreux bébés contractent la bronchiolite. Certains sont si sévèrement affectés qu'ils doivent être hospitalisés. Les symptômes du VRS varient d'une personne à l'autre, mais ressemblent à ceux du rhume ou de la grippe. Ce sont la toux, l'écoulement nasal, la respiration sifflante. La fièvre, la respiration difficile, la production de grandes quantités de mucus, la baisse de consommation d'aliments ou de liquides, la diminution de l'énergie et l'irritabilité. La plupart des symptômes du VRS disparaissent en quelques jours, mais si votre enfant a du mal à respirer, s'il ne boit pas assez de liquide ou si ses symptômes s'aggravent, il faut consulter un médecin. Tous les enfants de moins de deux ans peuvent contracter une bronchiolite sévère, mais les suivants présentent le risque le plus élevé. Les bébés nés prématurément, les bébés de moins de six mois, les bébés qui ont des problèmes respiratoires ou cardiaques chroniques ou congénitaux. C'est pourquoi des médicaments spéciaux injectables ont été mis au point pour ces bébés à risque élevé pour les protéger contre le VRS sévère. Ces médicaments spéciaux ne sont pas des vaccins. Mais des anticorps monoclonaux qui peuvent offrir une protection temporaire contre l'infection à VRS sévère. Les anticorps monoclonaux sont des protéines mises au point pour agir comme les anticorps produits par l'organisme. Les anticorps sont des protéines fabriquées par l'organisme pour se débarrasser des microbes et des substances nocives qui s'y sont introduits, comme les bactéries et les virus. Les anticorps monoclonaux utilisés pour protéger contre le VRS reconnaissent et ciblent spécifiquement ce virus. Ils contribuent ainsi à prévenir l'infection à VRS sévère chez les nourrissons et les jeunes enfants qui pourraient devenir infectés par la maladie. Si votre bébé court un risque élevé de contracter le VRS, demandez à votre prestataire de soins de santé comment le protéger contre ce virus. Depuis le 21 décembre 2023, Santé Canada a approuvé un vaccin contre le VRS pour les personnes enceintes depuis 32 à 36 semaines. Le vaccin contre le VRS permet à l'organisme de produire des anticorps qui protègent spécifiquement contre l'infection à VRS. Quand vous vous faites vacciner contre le VRS durant la grossesse, vous transmettez quelques-uns de ces anticorps à votre bébé. Ces anticorps procurent au bébé une protection à court terme contre les effets graves du VRS. Cette protection peut durer jusqu'à six mois après la naissance. Si vous planifiez une grossesse ou que vous êtes enceinte, demandez à votre prestataire de soins de santé ou à votre service de santé publique local si vous pouvez recevoir le vaccin contre le VRS. Il n'y a pas de médicament particulier pour traiter les infections à VRS. Le traitement employé est donc un traitement de soutien, ce qui veut dire que les symptômes du VRS sont gérés et il dépend de la gravité de l'infection. La plupart des nourrissons qui ont une bronchiolite à VRS tous et ou ont une respiration légèrement sifflante, mais en général, ils s'alimentent bien et n'ont pas besoin d'une oxygénothérapie ou d'un autre traitement. Dans la plupart des cas, les jeunes enfants infectés par le VRS peuvent être traités à la maison tant qu'ils respirent confortablement, que leur peau n'est pas bleue et qu'ils boivent et urinent comme d'habitude. La plupart des enfants se rétablissent en une semaine ou deux. Aussi, comme la bronchiolite est causée par un virus, les antibiotiques ne sont pas efficaces. Pour prévenir la déshydratation, la perte de liquide organique, il est important que les bébés boivent assez de liquide. Si votre bébé a de la difficulté à boire, essayez de soulager doucement sa congestion nasale avec une poire à succion ou des gouttes nasales salines, sel et eau. Il est important aussi de connaître les signes de déshydratation chez les bébés et les jeunes enfants. Une mixtion moins fréquente, moins de 8 couches mouillées par jour chez les bébés, l'absence de larmes quand l'enfant pleure, la bouche sèche ou collante, la perte de poids et la soif extrême. Si votre bébé présente des signes de déshydratation, consultez immédiatement un médecin. Pour soulager la fièvre, vous pouvez administrer de l'acétaminophène ou de l'ibuprofène en vente libre aux enfants de plus de six mois. Souvenez-vous qu'il ne faut jamais donner de l'aspirine (AAS) aux enfants. Chez certains bébés, la respiration sifflante et l'accumulation de mucus dans les voies respiratoires peuvent causer tellement d'inconfort et de difficultés qu'il est nécessaire d'administrer de l'oxygène ou même des médicaments bronchodilatateurs utilisés pour traiter l'asthme. Les bébés qui ne boivent pas suffisamment peuvent aussi avoir besoin d'une solution intraveineuse. L'un des aspects les plus importants du traitement, est d'aider ces bébés à se débarrasser de leur mucosité, ce qui nécessite souvent de les hospitaliser. Rarement, dans les cas très graves, certains bébés sont même branchés à des ventilateurs pour les aider à respirer. Chez les jeunes enfants, comme les nourrissons et les tout petits, une bronchiolite peut être grave et nécessiter la consultation d'une ou d'un professionnel de santé ou une visite au service des urgences. Allez à l'urgence si votre enfant a du mal à respirer. Respire avec difficulté ou plus rapidement que d'habitude, à la peau pâle, à les lèvres blanches ou bleues, ou présente un ou plusieurs des symptômes suivants de la fièvre si le bébé a moins de trois mois, ou de la fièvre qui dure plus de quelques jours chez un enfant plus âgé, est très somnolent ou difficile à réveiller, a des vomissements répétés et n'est pas capable d'absorber de liquide pendant huit heures ou plus à des vomissements ou de la diarrhée contenant une grande quantité de sang. Présente des signes de déshydratation. Voici quelques conseils pour prévenir la propagation du VRS et protéger votre enfant. Gardez votre bébé à la maison autant que possible. Ainsi, elle ou il sera moins susceptible d'être exposé au VRS. Désinfectez les surfaces de la maison qui sont touchées régulièrement. Lavez-vous souvent les mains pour réduire la propagation des microbes. Demandez aux autres de faire de même. Toussez ou éternuez dans le bras ou le creux du coude. Continuez d'allaiter votre bébé car le lait maternel contient des anticorps qui aident à prévenir et à combattre les maladies. Ne fumez pas à la maison ni dans la voiture. Comme mentionné, si votre enfant a moins de deux ans et court un risque élevé d'être gravement infecté par le VRS, il ou elle aurait intérêt à recevoir un médicament injectable utilisé pour prévenir l'infection AVRS sévère. Veuillez discuter de cette option avec la ou le prestataire de soins de santé de votre enfant. L'infection AVRS est habituellement bénigne chez la plupart des gens, mais elle peut être très dangereuse chez les enfants de moins de deux ans, surtout ceux qui présentent un risque élevé de bronchiolite et de ses complications. Comme il n'existe pas de traitement particulier contre les infections à VRS, la prévention est la meilleure approche, surtout pendant l'hiver quand ce virus circule généralement. Heureusement, la plupart des enfants infectés par le VRS se rétablissent à la maison sans avoir besoin de traitement particulier. Cependant, les parents et les proches aidants devraient être à l'affût de tout signe inquiétant qui pourrait indiquer que l'enfant a besoin de soins médicaux immédiats. Enfin, pour les bébés à risque élevé, il existe un médicament injectable qui peut prévenir les infections à VRS graves. Pour en savoir plus, veuillez vous adresser à votre prestataire de soins de santé. Si vous êtes enceinte ou que vous planifiez une grossesse, vous pouvez aussi demander à votre prestataire de soins de santé si vous pouvez vous faire vacciner contre le VRS.